Alors, salut les loulous. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis quand même un certain temps, je vais vous expliquer pourquoi, du comment de cette vidéo. Alors, déjà, on va parler de deux jeux vidéo. Donc, mon ancien jeu vidéo préféré, Apex Legends et Fortnite. Fortnite qui est sur Switch. Et Apex qui est que sur PS4, Xbox et PC. Pas Switch. Bref. Ça fait partie des choses de pourquoi Apex n'est plus mon jeu préféré, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, comme vous le savez, j'ai fait plusieurs vidéos sur Apex Legends sur cette chaîne YouTube parce que c'était un jeu que je kiffais à mort et que je trouvais largement mieux que Fortnite, Warzone et tout et tout et tout et tout. Mais là, maintenant, à mes yeux, pour moi, le meilleur Battle Royale existant gratuitement. Et littéralement Fortnite est de très loin parce que Apex c'est devenu nul à chier. Vous, comme vous savez, si vous jouez à Apex Legends, vous avez une mise à jour pour la prochaine saison, pour la saison 6. Jusqu'à la saison 5, j'ai rien dit parce que ça allait, les mises à jour étaient assez bien. Il y a eu des bugs, mais ça a été corrigé, et du coup, j'ai rien dit parce que ça allait dans la globalité. Sauf que là, on a une nouvelle légende sur ce jeu qui, avec son gros coup spécial, donc son ultime, elle fait exactement 2700 de dégâts. 2700. Un mec, c'est 200 de dégâts en full shield et tout. Donc, déjà, faut trouver un bouclier violet si tu veux 200 de dégâts. Bref, maintenant, c'est trop facile à trouver. Bref, j'en parlerai après. Mais bon, je crois que c'est 240 avec un bouclier rouge. Donc le meilleur bouclier du jeu. Alors, 2700. Sachant que Apex Legends, c'est des teams de 3 ou de 2. Alors, 2700 pour 2. Et ça veut dire qu'avec ton ultime, t'es obligé de tuer les adversaires. Bien sûr, c'est devenu un jeu de camp, vu que la nouvelle légende, elle met des espèces de remparts, des murs, et après tu mets ton coup spécial dessus, bref, c'est sûr, cheaté. Et c'est devenu un jeu de camp. Donc, littéralement, si tu prends Caustic, Rempart, plus Watson, tu es invincible. Tu es invincible. En campant, tu es invincible. Parce que tu as une tourelle, en même temps, tu as Caustic et Watson qui fait que les gens ils peuvent pas rentrer. Et toi, tu as tes murs. Au cas où, si les gens ils veulent rentrer, tu mets tes murs, bim, bam, boum, t'es refait. Non, mais faut pas abuser à un moment. Apex, vous avez abusé. Vous nous avez enlevé l'endroit le plus précieux. Il y a pas d'endroit plus précieux que Mirage. J'aime pas trop la légende Mirage, même si je la joue de temps en temps parce que c'est pas la légende la plus nulle, je trouve. Hashtag crypto. Ouais, c'est crypto le plus nul, ouais. Et du coup, bah en fait, tout simplement, je kiffais atterrir chez Mirage. Tout le monde atterrissait chez Mirage. Tout le monde. Et nous l'ont enlevé, pourquoi? Pour un vieux truc de merde. Mais faites pas ça en fait. Faites pas ça. Maintenant, avant, pour trouver un shield violet, c'était hyper chaud, genre fallait chercher longtemps. Maintenant, en une game, j'ai fait une game. Enfin, j'ai fait plusieurs games aujourd'hui pour un peu essayer pour voir si c'était vraiment de la merde ou pas. Bref, mais ma première game, j'ai trouvé 5 boucliers violets. Avant la moitié de la partie, avant que la première zone se soit écoulée. 5 boucliers violets évolutifs. Non mais c'est abusé, faut pas abuser à un moment. Je suis d'accord, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais la légende, elle a niqué le jeu parce que tout le monde campe. Les endroits d'atterrissage, ils ont été niqués parce que littéralement, il n'y a plus Mirage, il n'y a plus le train, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bon endroit d'atterrissage. 3, ils ont copié sur Warzone. Pour les trucs de boutique là. De où il y a des boutiques dans Apex, wesh. De où? Mais vous pouvez faire largement des meilleurs trucs. Je sais pas, améliorer vos serveurs, faites des trucs. Mais mettez pas des trucs de Warzone. Fortnite, il nous copie, les gars. Fortnite, il nous copie. Alors pourquoi nous, on va copier sur Warzone? À un moment, le Battle Royale numéro 1, il nous copie. Alors pourquoi copier sur les autres? Si les meilleurs nous copient, ça veut dire que on est meilleur qu'eux, logiquement. Donc si eux ils nous copient, faut pas que nous on copie encore. Parce que ça va pas le faire les gars. J'espère qu'à la prochaine saison ce sera un jeu mieux. J'ai vu le Battle Pass d'ailleurs.
Comment on parlait du Battle Pass? Bah, il n'y a aucun skin de beau, hein, littéralement. À part pour la G7 Scout, arme que personne ne joue. Sinon, il n'y a, y a aucun skin de beau. J'ai pas acheté le pass, c'est la seule saison où j'ai pas acheté le pass. Voilà. Tout simplement. Mais je sais pas en fait, je sais pas comment vous expliquer à quel point ils ont niqué le jeu en fait. Fortnite, ils ont peut-être fait des saisons un peu pourries, mais ils se sont toujours rattrapés et ça a toujours été le number one. Fortnite, ils ont toujours été sur Switch, sur nanani, sur nanana. Enfin, pas toujours, tu vois, mais ils ont été vite sur Switch et nanani et nanana. Fortnite, ils sont dans le game. Mais on dirait qu'Apex, ils veulent une pente. Après, j'aime bien Warzone. Personnellement, c'est pas mon battle préféré parce que, certes, je suis beaucoup Call of Duty. Hashtag BO2, hashtag BO3. Du coup, bah, maintenant, si vous voulez savoir, mon jeu préféré, c'est largement BO3 pour Shadow et Derzhan Rash. Bref, en zombie, BO3, c'est le meilleur jeu possible. Mais du coup, ils ont niqué Apex en fait. Ils ont littéralement niqué le meilleur jeu qui existait sur cette planète, quoi. Et ça me dégoûte de eux en fait. J'aimais déjà pas trop leur logique de faire payer 10 000 balles là. Non, mais en vrai, faire payer 10 balles pour un pass où tu vas gagner 10 balles sur le jeu. Donc en gros, en un pass, tu regagnes un pass. Que sur Fortnite, c'est tu payes 8 euros. Donc c'est déjà 2 euros de moins. Ah. Et pour 2 euros de moins, t'as exactement la même chose. Et en plus, le pass, il te fait gagner 500 bébés de plus. Donc en gros, avec le pass de Fortnite, tu peux avoir 500 bébés de plus. Alors qu'avec le pass d'Apex, t'as 100 pièces Apex de plus. Donc, littéralement, les gars. Je suis pas en train de défendre Fortnite, même moi j'ai dit que c'était de la merde. Mais là, Fortnite, ils sont en train de s'améliorer, alors que Apex, ils font... Je suis pas un joueur Fortnite de base, mais là, j'ai acheté le Battle Pass Fortnite, et je compte saigner Fortnite. Parce que, en vrai, Apex, c'est devenu de la merde. C'est devenu de la merde, littéralement. Donc maintenant, si je joue un Battle Royale, ça sera soit sur BO4, parce que je kiffe le Battle Royale de BO4, soit... Fortnite. Oui, je saigne Fortnite en ce moment. En 2 jours, j'ai été niveau 60. Oui. Mais en même temps, les gars, comment vous voulez jouer à Apex dans ces conditions-là? Apex, on dirait que c'est BO3 sur PS3. Oui, j'ai encore une PS3 chez moi. Et je joue des fois à BO3 et BO2. C'est de la camp. C'est de la camp, de la camp, de la camp. C'est un peu Modern Warfare, en fait. Modern Warfare, j'ai un pote qui est venu chez moi. Bref, il l'a. Et j'ai joué un peu. C'est de la camp, c'est de la camp. Et Apex, c'est en train de devenir que ça, des campeurs, des campeurs et des campeurs. Et du coup, bah, ça m'a dégoûté du jeu. Et je crois que je vais décevoir certains de mes abonnés, parce qu'il y en a qui se sont abonnés parce que j'étais un joueur Apex. Bye bye Apex! Bye bye! Ouais, je crois que je vais arrêter Apex. Ouais. Ouais, bah littéralement, je crois que je vais arrêter. Je vais arrêter de jouer à ce jeu. Ça sert à rien d'y jouer. Il apporte plus rien en fait. Il apporte juste de la camp alors que Fortnite, ça rush. Et moi j'aime bien rusher, j'aime bien jouer au snipe, j'aime bien faire de ceci, cela. Et sur Fortnite, c'est possible. Que sur Apex, c'est plus possible. Du coup, bah, je vous ferai peut-être une partie 2 sur cette vidéo. Parce que je vais sans doute peut-être faire une ou deux parties. Mais en vrai, pour l'instant, Apex, tu m'as déçu. T'étais mon jeu préféré. T'es sans doute passé loin, loin, loin de mes jeux préférés. T'es passé sans doute de mon jeu préféré au jeu que je déteste le plus. Parce que t'es passé de roi du monde à grosse merde. Désolé Apex. Désolé Apex, mais au revoir.